Voyez un peu la ville de Kinshasa, c'est une ville qui est bâtie sur des collines et des plaines. Et les collines, normalement, ne devaient pas être loties, mais avec la démographie, ce sont des endroits qui ont été lotis. Et il se fait que quand il pleut, c'est tous les sables qui quittent la zone montagneuse. Et quand ça descend, ça bouche les collecteurs. Et quand les collecteurs sont bouchés, les eaux prennent la surface. Et en prenant la surface, ces eaux causent des dégâts énormes. Kinshasa a eu la malchance de combiner des facteurs de problèmes politiques, de fin de régime politique, de rébellion. Donc il y a eu un tas de phénomènes qui ont fait que on pourrait dire que Kinshasa est un malheureux laboratoire de problèmes d'assainissement. On avait une partie de la ville où il y avait des infrastructures bien dimensionnées, mais pour moins d'un million d'habitants, et toute l'extension de la ville qui s'est faite sans plan d'urbanisation et donc pas d'infrastructure. Et la saleté, c'est vraiment la combinaison des deux. C'est des infrastructures qui étaient là mais qui ont été dépassées et pas entretenues, la fin du régime mobutiste, et une extension énorme de cette ville sans aucune infrastructure. On va traverser des lacs et des lacs. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. Et nous n'avons pas une politique de pouvoir domestiquer les eaux. C'est nous-mêmes, population, qui faisons le drainage des eaux. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Et si vous voyez dans cette avenue où nous sommes, il n'y a aucun caniveau, aucun collecteur de eaux. Donc les eaux deviennent sauvages. Et ces eaux sauvages doivent trouver un chemin. Et quand ils ne trouvent pas un chemin, ils font des dégâts. C'est ça les dégâts que nous avons après... après une pluie dans plusieurs avenues où il n'y a pas un système de drainage des eaux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est passé parce qu'il y a quelqu'un qui a une société qui fait des routes au niveau des Grands Malik et des 18 parcelles. Il avait creusé là-bas, il a mis la terre, tout ça. Bon, il n'a pas pu faire le travail comme il fallait correctement. Il y a eu un grand pluie. Et cette pluie-là a déterré toute la terre. Et cette terre-là a bouché tous les caniveaux sur la grande route. Et quand ça a bougé les caniveaux, maintenant l'eau s'est déversée dans les avenues. Et quand l'eau se déverse dans les avenues, il n'a pas une autre ici à aller. Il passait que par ici. Tellement la puissance de l'eau a dépassé, il a cassé notre mur de canalisation qu'on avait fait ici. Il y avait un avenir, les gens passaient par ici. Alors quand ça cassait l'eau, maintenant, c'est allé tomber dans l'érosion ancienne qui existe depuis il y a une trentaine d'années, là, qui ne bougeait pas. Parce qu'il y avait tout, on avait planté des bambous, tout ce qu'il fallait pour qu'il ne bouge pas. Le sous-sol de Kinshasa est principalement constitué de sable très fin. Et donc, dès qu'on a des pluies importantes, des gros débits d'eau, ben ce sable fin est emporté directement. Donc, si on n'a pas un système d'évacuation des eaux pluviales bien dimensionné, bien entretenu, on va vers des systèmes érosifs qui vont se développer très rapidement. Et donc, les déchets sont liés aux érosions, parce que vous pouvez avoir les meilleurs évacuateurs d'eau, les meilleurs caniveaux, s'ils sont bouchés parce que remplis de déchets, ben vous créez des sites érosifs très rapidement. On a les problèmes des immondices dans les quartiers. Comme je disais, on n'a pas de dépôt de transit, et les poussières passent à porte-gouttes. Ce n'est pas tous les jours qui passent, alors les gens se contentent de jeter les immondices dans les collecteurs. Et là, vous voyez les effets. Après quelques années, c'est ça, les collecteurs sont bouchés par les immondices et c'est tout ça. Nous avons un quartier avant une naissance dans un quartier haut. Depuis 1974, nous avons mais chaque fois, le gouvernement a été en mais depuis le gouvernement, tout le monde a changé de moroté. En plus, il y a des pelouses, il y a des salités dans le quartier. Tout le monde a imaginé même dans le quartier. Ils ont bouché. Et là, ils ont mis des gens dans le quartier. Je suis là. Le gouvernement est incapable. Le gouvernement n'arrive pas à résoudre des problèmes que les Congolais attendent. Bah, ma titi, boutia, fougnon, surtout, et comment
le loso qui mboule beti à ma casse. Mboula, ils ont ton natin à terre à faire côté la biche à Tinakacha ma pangu. Bah, salité, les robes ont condamné ma maman. Bah, copa l'oignon se tondia. Est-ce que ma maman m'a tout dit ça? Babylon, qu'on se accouche, on se tondit si place. Et ça, ma maman, non, et ma maman, t'es. Gouverneur a télé masala moussala nae. A ti ka wola la pongi. A ti ka wola ma seki. L'animatrice n'est plus sur votre bâle ou NGP. Tokira dans les temps. Mais pourquoi Totiki peut kokire? Parce que la population est mon opé azali responsable. Responsable est la ndenge nini. Soki neti bosili si ko kire na tongo na pokwa baye bakisi bache biloko na butu bache biloko problème ezali awa ezali responsabilité ezali partagé ezali na niveau ya gouvernement pe na niveau ya population. Population azo tcha basalité awa et loko mususu pe ezali pourquoi responsabilité za partagé na niveau ya gouvernement. Gouvernement il faut akire tango ko kire pe il faut ba dépôt de transit ezala. Na bavumbo aba dépôt de transit ezati. Tango bako kirango ba cheli koloso kimbule noke ezu esali nini ezongi na nini. Eloko tokosenga na gouvernement ezaliki baya kokire. Soki ba sisi kokire ba cha ba brigade ya surveillance awa. Poza la ke chaque po kwa soki mutoyer bakangie afuti amande. L'ancien régime avait donné ce sentiment que l'État devait tout faire et tout faire pour tout le monde. C'est pas moi, c'est l'OVD, c'est pas moi, c'est l'Office des routes. Et c'est maintenant qu'on doit faire passer des messages où il faut se prendre en main aussi, même si on n'a pas des gros moyens, il y a moyen avec des petites choses de déjà faire avancer et améliorer la situation. Oui. Il y a ce message-là qui doit aussi venir. Il y a ce message qui doit venir. Il y a aussi le fait que la population essaie quand même de contribuer à la prise en charge de son état d'insalubrité. C'est-à-dire que la population a toujours payé de petits montants pour évacuer les déchets, les ordures ménagères. Mais de l'autre côté, la population ne voit pas quelle est la contribution de l'État pour une action concertée. Chaque fois qu'il y a des bourgmestres qui passent, ils vendent les espaces vides. Ce qui fait qu'on a construit partout, partout. Vous voyez des maisons là qui n'étaient pas prévues, partout on a construit. Normalement, on ne peut pas construire le long des collecteurs. Et maintenant, il n'y a plus l'espace vert. C'est ça ce qui est vraiment la cause de tout ce que nous sommes en train de constater là. C'est pas possible parce qu'il y a à peine une semaine, nous n'avions pas cette situation. Il y avait effectivement un trou qui avait déjà entamé la route, mais il y avait quand même 2,50 m de bande où le véhicule pouvait passer. Mais là, c'est vraiment une calamité. Comme ça combien de fufo les allez consommer na 100 francs et comme à 150 pour n'a pas ce nabiso au comme que maman ko uta na sac ya fufu na ngambo kuna ya campus à cause transporter à comme maman na moto ou à ko dépenser cher même savon même sucre même quoi que ce soit ou les allez ko sali sa population et comme difficile pour atteindre ici la population est allée. Les gens sont la population à quoi accueillir, à quoi avaler, parce que vous avez la souffrance pour aller. À quoi sombre la chair, à quoi vivre la chair, ce qui vêtement, en tout cas, le gouvernement est chargé à quoi bon pour la population. Une des solutions qui a été mise en œuvre, c'est de gérer les eaux de ces bassins versants à l'amont en faisant des drains et en essayant de que cette eau ne coule plus tout le temps au même endroit en faisant des canalisations. Et le site érosif en lui-même est récupéré par des techniques de revégétalisation et de digues faites avec des sacs de sable. Donc les sacs permettent de ralentir la vitesse de l'eau, donc d'empêcher l'érosion et les plantations de stabiliser. Et au fur et à mesure, ces bassins se remplissent à nouveau de sable. Donc c'est la nature qui refait son travail inverse. Ce qu'elle a détruit à un endroit, elle le ramène par les pluies successives. Ici, ça s'appelle érosion Ngulungu. C'était à une profondeur de 12 mètres de l'eau terre. D'ailleurs ici, c'était coupé jusque
jusque-là. Les maisons sont parties. Et vous voyez la maison ici. Ici, il y avait des grandes maisons qui sont parties. Et les gens passaient de l'autre côté. Et ici, c'était impossible. Et quand l'érosion est atteinte de l'autre côté, il n'y avait même pas de passage. Les gens descendaient dans l'érosion et sortaient de l'autre côté. Ici, vous voyez ici, ce sont des grandes diguettes que nous avions implantées jusqu'à la rivière. Au total, il y en a 5. Et au-dessus, nous avions planté des pelouses, des fausses cannes et des vétivers. Malgré le produit qui est là, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ça, c'est la rivière Yolo qui charrie les eaux qui quittent plusieurs communes. Ça, c'est la canalisation d'eau potable. Aussi longtemps qu'on a la pression dans cette eau-là, il n'y a pas de contamination. Mais à partir du moment que la pression va baisser à l'intérieur de cette canalisation, il y aura effet de siphonnage et ça va prendre les eaux usées et rentrer dans le réseau. Voilà les dangers de contamination que présente le mélange des déchets avec les eaux. Il y a trop de l'eau qui stagne partout et il y a les mouches qui naissent, ils viennent déposer les œufs et à chaque fois il y a des maladies qui sont liées à cela. Il y a les mamans qui vont juste là où il y a des immondices et les pains, les beignets, les histoires qui sont exposées juste devant les mouches. Les gens consomment ça directement sans pourtant laver les mains et ça crée des maladies. Je pense que maintenant l'occasion nous est donnée parce que quand même au niveau de l'administration, si je vois l'hôtel de ville, il y a une certaine prise de conscience du fait qu'on doit améliorer la situation. Il y a aussi cette prise de conscience au niveau des producteurs, les producteurs tout confondus, que ce soit les ménages, que ce soit les écoles, les hôpitaux, les entreprises. Il y a une prise de conscience qu'il faut améliorer la situation. Ici, c'est là où les pousse-poussières, souvent d'assainissement par manque des dépôts de transit, venaient déverser leurs immondices. Bon, c'est moi qui ai préparé les travaux, la conception, les recrutements de la main d'œuvre et puis l'exécution. Les plus durs ici, c'était d'abord les défrichages, parce qu'il y avait, c'était vraiment presque une brousse. Il y avait beaucoup d'herbes. Il y avait aussi des immondices qu'il fallait enlever et c'était très dur pour les gens avec qui on a travaillé. Nous avons consacré 4 mois et demi. Nous avons pu faire tout ça. On a d'abord évacué et puis on a fait les sarclages, on a enlevé les arbres et après on a planté les pelouses. Les épluchures, les déchets ménagers, ce sont des saletés quand ils sont mis n'importe où. Ce sont des saletés quand ça jonche les rues. Par contre, quand ils sont rassemblés et amenés dans un endroit propice où ils peuvent être transformés en compost, à ce moment, le compost, c'est l'engrais pour permettre la production de fruits et légumes à un prix abordable pour ces maraîchers. Ce projet est d'abord un projet dans l'assainissement. En amont de ce projet, nous rendons le milieu sain. On récolte les ordures et en aval, nous produisons le compost. Ils prennent des déchets vraiment biodégradables, ils les mettent en bas. Suivi ceux qui sont moins biodégradables, plus les déchets qui activent
la maturation de ceci. Et ce travail ici, ils doivent arroser. Vous les avez trouvés en train d'arroser. C'est pourquoi, pour permettre vite, vite la pourriture des déchets. Mais après un temps, on retourne jusqu'au moment que nous trouverons que ce compost devient de la terre. Et ce compostage sert d'abord pour les maraîchers, les agriculteurs, les jardiniers, les arboriculteurs, à qui profitent ces maraîchages. Notre rôle en tant que programme national d'assainissement sur le plan du ministère de l'Environnement, c'est d'essayer d'éliminer les déchets de façon profitable, c'est-à-dire permettre à ce qu'ils soient broyés, permettre à ce qu'ils produisent des granulés, et que ces granulés vont être utilisés aussi de diverses manières. Produire les tuyaux plastiques, nous comptons aussi utiliser ces déchets-là pour lutter avec ça contre les moustiques. Ces granulés, lorsque nous les mettons dans ce verre d'eau, ils restent suspendus. Et quand ils sont suspendus comme ça, dans un gîte qui contient les larves de moustiques ou bien des lymphes de moustiques, eh bien, ces lymphes seront détruits. Nous utilisons ces déchets et nous les réutilisons pour la valorisation et lutte contre les moustiques. Actuellement, c'est comme si la gestion des déchets, ce n'est pas l'affaire, hein, ni de l'hôtel de ville, dans un premier temps, ni des ministères concernés. On pense que c'est l'affaire des partenaires avec les ONG nationales. Or, de voir la réalité de cette façon, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt effectivement à faire aboutir les projets. Et là, je crains que le projet puisse échouer, malgré les efforts que nous sommes en train de fournir pour le moment. L'homme de la rue, l'homme de tous les jours, qui vit quasi depuis sa naissance dans des petits dépotoirs informels et tout ça, ne perçoit pas obligatoirement ses besoins d'assainissement. Mais par contre, les personnes un peu concernées, qui sont plus au courant des propagations des maladies et tout ça, veulent vraiment faire un effort pour s'en sortir. Je n'étais pas là à l'époque de la genèse du projet, je l'ai pris en cours de route, mais le bourgmestre de Massina apparemment a été le plus décidé et c'est celui qui au niveau de Kinshasa, s'est le plus battu pour défendre sa cause. Les besoins de toutes les communes annexes, de toutes les communes périphériques sont énormes. Et lui s'est battu pour avoir un vrai travail, un vrai budget qui puisse réellement servir à quelque chose pour une grosse concentration de population. Ça touche 500 familles en direct, mais ça touche 5 à 6 000 familles dans l'ensemble du trajet concerné par le caniveau. Dans les tâches que nous avons à accomplir en tant qu'autorité locale pour ce qui concerne les entités territoriales décentralisées, on a retrouvé ici une grande difficulté pour ce qui concerne l'assainissement, du fait que la commune n'a pas bénéficié d'une bonne politique d'urbanisation. C'est d'abord fondamental, c'est d'avoir construit dans un endroit qui était inconstructible. Les maisons ont été bâties dans un entonnoir qui recueille les eaux de pluie de la moitié de la commune de Massina, et pour lequel il n'y avait pas d'exutoire naturel. Alors tant qu'il y avait de la végétation, ça s'infiltrait, ça ne posait pas trop de problèmes. Une fois qu'on a commencé à bâtir des maisons, il n'y a pas de gouttière, il n'y a pas d'évacuation, ça ne s'est plus infiltré, ça déborde. Et bandri ya ribo subati nan ba betoti sari nan ba beto ya mabangate maye kotila kingai bala ribo su awa bakangi nan beto bati nan betote maye utagina tarase yo kotila ngana ndako.
Lele kota kinandako parsaki elos basusu bakufaki akatendako. Tunabika kina na bakoko ya yamike tokimi mbango toke kokima kote ya yarikolo kuna yangu. Limiti ya mali. Oso muna hu. Omona kate. Shini ya mali. Esika sukilaki. Siko ya banda basai lagi bisu tarase. Tozo lala pongi mbula ata yoso beta. Olari pongi. Uyi bate mbula. Yoso beta ribanda. Toutes ces maisons qui étaient construites dans les lieux de passage des eaux étaient toujours victimes des inondations une fois qu'il pleuvait. On a dû casser des maisons ici pour faire passer ces collecteurs. Donc ce n'était pas facile à pouvoir convaincre des gens. Nous avons fait pratiquement un mois de sensibilisation au niveau des communautés ecclésiales vivant des bases du quartier pour les convaincre tout doucement à pouvoir céder leur parcelle et à comprendre la situation. Après avoir fait ces collecteurs maintenant, nous recevons de plus en plus de remerciements des gens qui aujourd'hui ont bien compris la nécessité d'avoir un collecteur. On aurait pu se simplifier la vie énormément, faire appel à des entrepreneurs qui n'aient des grosses machines, mais on a choisi d'avoir un impact maximum sur les quartiers traversés, justement en sélectionnant des ouvriers qui sont directement originaires du quartier et souvent même encore plus de la zone traversée. Ça a un impact non négligeable sur le fait qu'il y a une rentrée d'argent là où il n'y en avait pas pendant toute la durée du chantier. Et ici, c'est un chantier qui a une durée prévue de 1 an au total. Je pense qu'on peut se décaler ici sur le tournant et venir ici. Bien perpendiculaire. Si on ne se met pas perpendiculaire, on ne passe pas. Sur la mode diagonale, ça n'ira pas. Donc on se met bien perpendiculaire et ce sera pris dans le chaînage à hauteur du chaînage tout le monde. Maintenant, on va vers une évolution où il y a une appropriation qui doit se faire au niveau de la masse. Et cette faillite de l'État a laissé des séquelles. Et donc, il y a quand même un travail de sensibilisation relativement important qui devrait être fait, tant au niveau scolaire qu'au niveau de la sensibilisation en général. Parce que sinon, on n'arrivera pas à un résultat. Malgré toutes les belles infrastructures qu'on pourrait mettre à disposition, il faudra accompagner ça par cette sensibilisation. Parce qu'il y a 20 ou 25 ans, plus ou moins 2 ou 3 générations qui n'ont pas été habituées à ce genre de mode de fonctionnement. Et ça sera nécessaire pour arriver à un résultat. Aujourd'hui, quand je sillonne les quartiers de Kinshasa, je me rends compte qu'il suffit d'un petit rien du tout encore pour que cette mentalité change. Et la mentalité, pour qu'elle change, nous avons pensé qu'il faut entretenir la synergie que nous avons impulsée au niveau de la plateforme, où effectivement maintenant, le message est relayé dans les quartiers. On a des animateurs de quartier qui passent et qui sont toujours en train d'expliquer que non, il faut changer. Et il y a des changements. Donc la mentalité, oui, mais là on peut facilement jouer par rapport à cette volonté politique qui continue à faire défaut. Il y a cette mauvaise gestion du secteur aussi de l'assainissement. Thank you.
Ah, yeah, mama. I'm gonna feel it, yeah, mama. I'm gonna feel it, yeah, mama.